La tempête approche. Le parfum de la guerre tourbillonne. Et le trône impérial est abandonné. Le destin de Tamriel dépend de la force d'âme d'un simple prisonnier. Le mal s'éveille. Un ennemi oublié s'agite. Ceux qui veulent détruire Tamriel traquent ceux qui menacent leur complot. Et ainsi, la mort tend ses longs bras. En cette 582e année de la Deuxième Ère, les tambours de guerre retentissent. Et ainsi commence notre voyage.
attendez un peu. Ça va? Je m'appelle Lyris. J'espère que vous pouvez encore vous battre. Vous allez devoir vous défendre. Ça devait être l'avorton de la portée. Gardez votre arme en main et prenez garde. Ces lieux sont riches en surprises. Avancez, il y a d'autres des draps devant nous. Allons-y. Comme vous, je suis un prisonnier. Vous devez me secourir. Et je devrais le faire à mon tour. Attendez un peu. Venez, il faut qu'on parle. En le libérant, bien sûr. Croyez-moi, j'ai besoin de toute l'aide possible. Ce vieil aveugle est la seule personne vivante qui peut nous aider à faire le long voyage qui nous sépare de Tamriel. Ces tunnels nous mèneront autour des yeux. C'est là qu'on trouvera les sentinelles. Ce sont des assemblages magiques créés par Molagbal pour guider sa vision à Havreglas. Les sentinelles sont reliées. Si nous en détruisons une, les autres seront aveuglées. Avec de la... Je sais pas. Par la force, on trouvera bien. Il le faut. Soyez... J'en suis sûre. Et j'y répondrai du mieux que je peux. Il est étrange, c'est sûr. Mais c'est aussi l'homme le plus sage que je connaisse. Vous êtes plus en Tamriel, bien évidemment. Pensez au coin le plus pourri et déprimant possible où vous avez jamais mis les pieds. C'est le paradis comparé à Havreglas. Je sais pas. Une fois qu'on aura secouru le prophète, il sera ravi de vous parler des dieux et d'Oblivion. J'y comprends. Un dénommé Manimarco. Son culte du verre se livre à des rituels en Tamriel. Ils vous ont sacrifié ainsi que tous ceux qui se trouvent dans cette prison à Molagbal. Ça veut dire que vous êtes une esclave et que vous passerez le reste de l'éternité ici à Havreglas à travers... Non, j'ai pas été sacrifiée. Le prophète et moi, on a été amenés ici, conventionnellement, si on peut dire. Non. Ce sera pas facile. Les lieux sont observés par des assemblages magiques appelés sentinelles. On doit les aveugler. On doit se remettre en route. Bien joué, l'ami. Par la barbe d'Arquet, vous savez vous battre. Le dieu de la brutalité a conscience de votre évasion. Pressez-vous.
Le seigneur des manigances voit tout à Vreglas. On doit détourner son attention. Vous avez dit que vous vous appelez déjà ? Mannequin d'entraînement ? Tâchez de ne pas vous faire remarquer. De sortir de là, alors évitons de nous faire recapturer. Fais le guet. Vite, pendant qu'il est aveuglé, on doit aller à la cellule du prophète. Escape my prison of Cold Harbor. Par la langue agitée d'Herma Mora. La porte est gardée. On n'entrera jamais par ici. Bon sang. La destruction de la sentinelle a dû activer ses défenses. On doit trouver un autre moyen d'entrer. Cadwell est le plus vieux des Apsous. Après des années de souffrance, les Apsous finissent par devenir fous et enragés. Mais pas Cadwell. Cadwell voit les choses comme il aimerait qu'elles soient. Pour lui, Vreglas est un endroit merveilleux. C'est chez lui. Un beau jour en pleine nuit, deux rois morts se levèrent pour se battre. Dos à dos, hé, à qui ai-je l'honneur ? Vous vous promenez ? C'est la journée idéale. Sieur Cadwell, en effet, c'est un plaisir. Et la belle Lyris. Eh bien, ça doit être rudement embêtant, pas vrai? Je vais vous dire, il se trouve que je connais une autre entrée, un chemin bien plus agréable. C'est prudemment, je pense. Gare où vous mettez les pieds, relevez le nez et attention au piège. Et vous suivez la rivière. Vous trouverez la porte de la crypte au bout. Une fois dedans, bonne chance. Il n'y a pas grand-chose à dire, en fait. C'est toujours la même histoire. Vaillants chevaliers, quêtes épiques, demoiselles en détresse. Je suis arrivé ici quand ma tête a été séparée de mon corps. De façon fort cavalière, je dois l'avouer. C'était un coup dur, mais eux m'ont fait contre mauvaise fortune. Non, oh, ça fait vraiment longtemps. En fait, je ne serais pas surpris d'être le plus vieux des absous. Et parmi ceux qui ne sont pas devenus enragés, bien entendu. Je connais... Ah, Lyris, elle est aussi cinglée que le pyjama de Sheogorath. Elle a bon cœur, au fond. Elle dit qu'elle doit sauver le prophète. C'est un gentilhomme impérial. Apparemment, il fut autrefois un mage puissant, mais les années n'ont pas été tendres avec lui. Lyris dit, je n'y ai pas vraiment pensé, en fait. Je suppose que tout est possible. Cadwell a l'air...